Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, mercredi 13 octobre, donc la semaine dernière, la Commission européenne a publié une communication Tackling Rising Energy Prices, a Toolbox for Action and Support, laquelle propose une analyse de la situation actuelle et future en matière de prix de l'énergie et de certains de ses impacts sociaux. Alors, cette communication mentionne une série de mesures qui sont amenées à être discutées et mises en place au sein de l'Union, et je citerai notamment la révision du règlement sur la sécurité d'approvisionnement en gaz prévue en décembre 2021, et ce afin de renforcer la résilience du marché gazier européen, mais également la série de mesures envisagées en matière de soutien d'activités économiques plus durables dans le secteur de l'énergie et du stockage d'énergie, par exemple, développement du stockage d'énergie évolutif en tant qu'outil de flexibilité et achat conjoint volontaire de réserve notamment. Alors, Madame la Ministre, sur base de ceci, mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur la communication de la Commission européenne et plus particulièrement sur l'analyse qu'elle fait? Et pouvons-nous obtenir également de plus amples informations quant aux mesures que je viens d'évoquer, plus particulièrement au sujet du calendrier prévu par la Commission européenne à ce sujet? Voilà, est-ce qu'on pourrait simplement avoir un retour de votre part sur ces diverses mesures? Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à la ministre pour ses réponses. Je tire pour enseignement de ces réponses une volonté du gouvernement de considérer d'abord que les mesures qui ont été proposées et d'ailleurs longuement débattues la semaine dernière doivent être implémentées, évidemment, mais qu'au-delà de ça, la porte reste évidemment ouverte à d'autres mesures que la situation ou l'évolution de la situation exigerait. Et donc ça, je m'en réjouis et je vous soutiens totalement dans votre volonté de garder les yeux et les oreilles grands ouverts sur d'autres types de mesures qui, un jour, pourraient devenir nécessaires si la situation actuelle perdurait, voire s'aggraverait. Merci beaucoup.